Hello, c'est Jessie. On se retrouve pour une ouverture de colis de Steamtastic. Encore, une deuxième fois. Donc, let's go. Non, Mimi. En fait, j'ai de la peine là. Que ça doit être bon. Ah non, Mimi, hein, je fais pas de bêtises. J'arrive pas à ouvrir les côtés, mais je peux bien. C'est bon, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Donc, let's go. Ok, donc, un petit bout de scotch. Alors voilà, donc ça donne ça. Voilà. Alors, le mode d'emploi, comme la dernière fois, du coup, je ne vous montre pas. Vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo. Et du coup, voilà. On va y aller gentiment. Alors, pour commencer, on prend le premier truc qui vient. Alors, le petit, je ne sais pas, c'est un archal, un narwal, je ne sais pas. Un narval. Un narval, ok. Mimi. Mon petit chat. Voilà. Donc, c'est un squishy, mais qui revient lentement. C'est un slow rising squishy. C'est-à-dire que quand on appuie dessus, il lui faut du temps pour revenir. Elle est trop intriguée, hein. Regardez ce chat. Voilà, donc, on va l'essayer. Alors, la matière, c'est genre tout. Je sais pas, c'est genre tout. Vas-y, montre-le. Oh! Mmh. Allez, coucou, Après, il a une coucou, grosse trace dégueulasse. hein? Voilà, donc il est tout cute. Il est super. Allez, petit chat. Elle va être intriguée tout le monde en fait. Bon, on va essayer de l'arranger dans la boîte. On verra, je vais peut-être pas avoir la place pour tout le monde. Mais bon. Non, je vais pas à la place. On va le poser là, du coup, c'est pas grave. Bon. Let's go. Alors, un petit squishy cochon. Enfin, je vais border tout près. Voilà, il a des petites pattes. Bon, puis du coup. Disco, on va mettre dans la petite boîte. Alors, la Steamtastic Putty, donc elle est bleue et puis là la lavande. Voilà, dans sa petite boîte. Donc c'est-à-dire qu'elle sent la lavande parce que c'est compréhensible comment je dis ça. Donc. Oh. Y a quoi? Désolée, j'ai fait trembler la caméra, genre vraiment beaucoup. Okay. Alors, elle est dans un petit sachet, comme ça. Un petit sachet refermable. Par contre, je propose qu'on la regarde à la fin, hein, par contre. Étant donné qu'en général, c'est un peu gras, donc je propose qu'on regarde à la fin, qu'on regarde le reste et ensuite on voit ce que ça donne. Ensuite, ah bah, y a un petit bracelet. Alors, c'est écrit quoi dessus? C'est écrit Respect the Steam. Alors, vu qu'il est noir, je sais pas si ça va être visible, mais toujours essayer. Je sais pas si c'est visible. Enfin, il est noir donc. Oui.
Mais bon, les noirs, c'est super bien, c'est ma couleur. Enfin, c'est une de mes couleurs, on va dire. Du coup, petit bracelet. Ça, c'est un petit stick à paillettes, là. Enfin, vert. Voilà. On va l'ouvrir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien l'estime visuelle. Donc, du coup, j'ai commandé ce petit stick à paillettes. J'arrive pas à le sortir. Bon, je sais pas, on va casser. Je galère un petit peu. Voilà. Pourquoi il y a des petits élastiques bruns en fait là? Ok. Peut-être montrer parce que moi je regarde, mais. Donc c'est assez satisfaisant parce que ça va lentement. C'est-à-dire qu'il faut un peu. Ça va lentement, ça descend lentement comme ça. Puis voilà, puis on le retourne, puis voilà, on peut regarder tranquillement le truc qui descend lentement. Comparé à mon bracelet, j'avais. Si vous avez vu l'autre ouverture, j'avais le bracelet là. Qui lui il est bien mais il est bien là mais il faut tout le temps tourner comme ça pour que les paillettes tournent puis après ça va vite donc du coup ça change un petit peu là c'est un peu plus lent et puis pas besoin de tourner enfin tu fais juste comme ça après c'est bon du coup c'est bien aussi ensuite petite chenille voilà plutôt grosse hein. En l'occurrence elle est grosse donc alors cette petite chenille on peut faire comme ça hein, on peut lui tirer les pattes. Et surtout, on peut lui arracher des petits poils, comme ça. Voilà, donc elle est super pour ceux qui ont la tricotylomanie, je ne sais plus, quelque chose du style. C'est-à-dire le fait de vouloir arracher quelque chose, par exemple la peau ou comme ça. Du coup, voilà la petite chenille. Voilà. Alors, là, de nouveau pour la même idée là, il y a ça. Donc ça c'est pour tirer, on peut tirer les élastiques comme ça. Je pense que ça se voit quand même hein. Voilà. Voilà, et donc sinon voilà, on peut. Elle est dure, hein, comme ça. Elle est dure. Mais on peut la serrer comme ça. Et puis, voilà, elle est plutôt dure. Puis, sinon, ouais, c'est juste une boule comme ça, avec plein de petits élastiques qu'on peut tirer. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Donc, vert et rouge. Et puis, c'est pour finir, sauf erreur, c'est pour finir. Voilà, ça c'est, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est le truc kinétique, enfin, avec les anneaux, voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. On va le regarder. On va voir comment ça fonctionne. On s'appuie normalement quand on va le regarder. On va le regarder. Ouais. Bon, par contre, comment on le... Ah, voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et donc, je ne sais plus trop comment ça fonctionne, mais en l'occurrence, oui, voilà, bon. La personne talentueuse. Il n'y avait pas un truc comme quoi on pouvait le faire glisser sur le bras. Donne voir l'emballage, s'il te plaît. J'ai plus aucun souvenir comment on fait. Ah oui, on va le prendre comme ça, mais je vois pas comment on va le prendre comme ça. Comment on fait ? Ah, comme ça. Ouais, tu mets comme ça, puis après tu le. Je pense, non? Non. Je suis un peu nulle. Hein. On va y arriver.
Avec ton vieux pull aussi. Avec mon vieux pull. Ah ouais, ouais, voilà. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est super cool. J'arrive plus. Ah non, on va le remettre en anneau. Voilà, on le remet en anneau. Ah voilà, c'est bon. Maintenant, je commence à prendre le truc. Voilà. C'est juste trop bien, mais voilà. Vas-y. Comment on fait ? Je sais pas si tu... Oh, c'est trop bien. Wow. Et c'est vraiment trop bien, ouais. Bon, on n'a pas du tout fait de la merde. J'ai pas de talent, hein, moi, avec les trucs. C'est obligé. Bon, c'est pas grave. Au pire, tu le laisses en sphère, c'est pas grave. On va le laisser comme ça de côté. Hein. Voilà. Et puis, du coup, on a fait le tour. Alors, maintenant, on va revenir à la pâte. Ah oui. Donc. On va aller voir. Alors, sauf que là. Si j'arrive, parce que j'ai vraiment pas de talent. Ah, elle est vraiment bien grasse celle-là. Hein. Ah. Ah ouais, vraiment. Ouh là là, comment elle est grasse. Il y a même encore des résidus dedans. Oh, par contre, là, c'est déjà, ça commence bien. Alors ça sent bien la lavande, mais vous pouvez pas sentir, mais ça sent super bien la lavande. Et puis... J'aime bien faire des timides comme ça. Ça sent la lavande. Ah ouais. Wow. De fou. Après, t'as l'odeur sur tes doigts. C'est vrai. Après, on a l'odeur sur les doigts. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. On va la mettre en petite boule pour la ranger. Moi je sais pas, on pourrait la ranger dans le plastique en l'occurrence, c'est même encore mieux. C'est pas la chose la plus pratique pour moi. Et bien voilà, on a tout regardé, donc on va juste filmer tout ensemble. Je crois qu'on avait ça la dernière fois, non? Je sais pas. Les petits, ça. Le petit truc là, le petit stick, le petit bracelet et la petite chenille. Let's go pour finir ça. Voilà, il y a tout qui est là. Voilà, et eh bien on a tout vu. L'ouverture de colis est terminée. Donc du coup la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez laisser un commentaire. Et aussi vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos par rapport à l'autisme ou...
Du coup, en l'occurrence, les Steam Toys, c'est pour tous les neurodivergents. Donc, voilà. Du coup, ciao, ciao!